جانجير جوان ابراهيم جوان مير خدري نعم جعفر ابراهيم علي جميل زاهد جباره موسى حسين عبد الله Vendredi 19 octobre 1984 15h30 Ces hommes assis par terre dans la cour du camp, ce sont des prisonniers iraniens. En ce moment commence leur dernière journée de captivité en Irak. Ils vont être libérés, rapatriés, et dans un peu plus de 24 heures, tous les 100 seront en Iran, à Téhéran. Mourad Darwish, Al-Qasi, Ali Mourad, Mohamed Ismail Mohamedi. Au début du mois de septembre, ils ont été informés qu'ils allaient être rapatriés. Juste après, des délégués du CICR étaient venus s'entretenir avec chacun, en tête à tête, s'assurant qu'il était d'accord de retourner en Iran. Puis plus rien. Et aujourd'hui, les délégués sont revenus, pour préparer le départ cette fois. Appel nominal d'abord, par le major irakien, puis par les délégués. Vérification des listes, personne ne manque à l'appel. Mohamed Taghi, Rabat Tabahi. Il y a inévitablement un quiproquo de dernière minute que l'on résout rapidement. Au total, chaque prisonnier se verra attribuer un numéro qui permettra de s'assurer de sa présence tout au long de l'opération. Les prisonniers ont été informés du déroulement de l'opération, de son horaire précis. Le médecin a rassemblé les dossiers des 17 cas médicaux, s'est assuré que le long voyage ne posera pas de problème sérieux à des hommes âgés ou mutilés. Un autre facteur intervient, la tension émotionnelle. Les prisonniers doivent attendre pendant 6 heures encore avant de quitter le camp. Et certains se découvrent des migraines que le médecin du CICR examine. Dans le bureau du commandant du camp, les délégués n'ont plus qu'à attendre eux aussi leur hache. Mm-hmm.
Samedi 20 octobre, 1h du matin. So, we are going to count all of you to start again if anybody is missing. Dans la nuit froide, c'est enfin la sortie du camp. En trois groupes, les prisonniers embarquent dans trois autobus. Les cas médicaux sont rassemblés dans le même bus et voyagent avec le médecin. À l'embarquement, contrôle encore, homme par homme, numéro par numéro. Les 100 prisonniers sont tous là, chacun dans le bus qui lui a été assigné. Quatre. En arrière. 3h du matin, le départ du camp. Il est 6h30, et tandis que des délégués fixent les croix rouges sur l'avion, les prisonniers arrivent pour embarquer. Ce seront leurs derniers pas sur sol irakien. En vol, entre Bagdad et Ankara, entre captivité et liberté. Et pour la première fois depuis des années, un repas servi par des hôtesses. Et des gestes simples, des aliments presque oubliés depuis tout ce temps de pâté militaire servi à la louche. Pour beaucoup de ces hommes, le voyage est au cœur de l'émotion aussi. Heures, heure d'Ankara. L'accueil a été préparé par le Croissant Rouge turc, dont les infirmiers escortent les invalides. Plus loin, des tentes ont été dressées avec cuisine chaude, unité de soins médicaux, sanitaires. De quoi rendre la tente confortable, matériellement en tout cas, puisque l'avion iranien n'est pas encore là. L'avion de Téhéran.
À bord, des délégués du CICR, des représentants des autorités iraniennes, mais pas de prisonniers irakiens libérés. Cette opération n'est pas un échange, c'est une libération unilatérale. Mais tout n'est pas encore terminé. Il faut signer et contresigner les certificats qui attestent de la libération des prisonniers. Des simples mots sur du papier, mais qui doivent dire les faits sans déplaire. Exercice de rédaction diplomatique, négociation, une heure d'attente encore. Devant l'échelle du dernier embarquement, des minutes interminables. À 16h30, ils sont libérés. Depuis le début du conflit entre l'Irak et l'Iran, la 7e opération de rapatriement de prisonniers entre les deux pays se termine. Il en faudrait bien d'autres, tant il y a encore de malades, de blessés, de prisonniers, captifs depuis si longtemps.